plus de 10 ans que le film est là, dans ma tête. C'est, je voulais raconter une histoire enfin, qui est la mienne, quoi, l'histoire de ma famille, de ma mère et de ma jeunesse à Tunis. C'est l'histoire d'une mère et de son fils qui cherchent à changer de vie, à améliorer leur vie. Et puis ça marche pas parce que ils vivent dans une société où chaque fois une certaine catégorie sociale essaie de changer de vie, bah, la société, le système les punit en quelque sorte. Certainement John Cassavetes. Et mon film préféré de Cassavetes, c'est Une femme sous influence. Très grand film, magnifique. Invisible. Parce que j'aime beaucoup le mouvement et voilà, être invisible, ça quand même, ça aide énormément à aller dans des endroits un peu inaccessibles. L'action, le mouvement, l'énergie, quoi. L'adrénaline quand tu arrives sur le plateau le matin, tu sais ce que tu vas faire, mais tu ne le sais pas en fait. Tu ne sais pas si ça va être pareil comme dans ta tête. Ou... Et c'est ce processus-là, ça reste toujours une expérience unique, quoi. J'ai un très très beau souvenir de la séquence de l'anniversaire de Moumen, où on s'était mis tous à danser et à chanter, c'était super. Il y avait quelqu'un qui me filmait, où j'étais derrière la caméra, où je dansais, je dirigeais un peu les acteurs en dansant. Je trouvais que c'était un souvenir assez rigolo. Aïd mi le don saïd.